Eh bien, salut tout le monde et bienvenue, c'est John pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'Olympique Lyonnais contre le Stade de Reims. Allons-y, c'est parti! Et nous avons remis notre joueur Elgenberg qui est soigné. Qui était tellement en réserviste. Salut à toutes et à tous, bienvenue. On est en direct du Groupama Stadium de Lyon. Dans la cabine donc de commentateurs, à mes côtés et pour vous servir, Omar Da Fonseca. Au menu du jour, cette rencontre de D1 Arkema. Lyon contre le Stade de Reims. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous. Surtout par la taille. On espère que ce match sera aussi grand que vous. Et les petits, j'ai déjà dit qu'ils devaient déjà être à l'école. Bien sûr, c'est la suite de la compétition de la D1 Arkema. J'ai pris beaucoup de retard car j'étais hospitalisé pendant quelques temps. Donc, hospitalisation, on veut dire pas de vidéo. Est annoncé pour le coup d'envoi. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Attention à cette occasion. Quel arrêt splendide, énorme réflexe. Eh oui, en plus à cette distance, c'est grandioso. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ouais, pas évidente l'intervention sur ce corner, mais c'est très bien stoppé. Et c'est une remise en jeu à venir. Houchen. Rachel Corboz. Louane Joly. Oui. Sans commettre de faute. N'importe quoi. Récupération du ballon. Et voilà une bonne intervention de la défense. Le ballon sort. Rachel Corboz, Louane Joly. Le ballon part bien. Ah non, hors jeu, de rien du tout. J'aurais bien voulu un canard. Hein. Bon, je suis un peu fatigué, je suis sous traitement. Donc c'est un peu normal, je suis pas dans ma plus grande forme.
Mais la passe est j'essaie interceptée. De vous faire vendre du rêve. Doucouré. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Vers l'intérieur. Oui, il y a de l'espace. Pas trop de difficultés sur cet arrêt. Bien défendu. Excellente intervention, ça sort en touche. La possession change de camp. Allez, sur le côté pour amener le danger. Et voilà, ça sort en touche. Déjà. Putain. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Une bonne pression défensive qui pousse à la faute, ça sort. Julie Pasquero. Rachel Corboz. Louane Jolie. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ça sort en touche. Il n'y a aucune pression et pourtant le dribble n'est pas réussi. Un bon ballon à jouer pour profiter du couloir. Ah non, finalement le ballon est perdu. Le ballon en touche. L'attaque se poursuit, balle au pied. Pas très difficile celle-là, un peu de suffisance dans le dernier geste peut-être. Oui, à l'arrêt sans aucune difficulté, il y avait mieux à faire. Ça sort des limites, c'est une touche. Ouais, ballon bien capté. C'est une frappe sans difficulté pour la gardienne. Ah, le ballon est perdu. Bonne pression de la défense et donc le ballon sort des limites du terrain. Ouais. Bonne progression dans le camp adverse. Oui, la frappe. C'est un ballon parfaitement maîtrisé. Le ballon sort, c'est une touche. Et une opportunité de passer devant au score. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Il va falloir faire attention là et vite sortir ce ballon. Oh, penalty ! Et l'arbitre, elle n'a pas hésité, elle indique le point de penalty. Non. Non.
c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Oh là là, c'est vraiment très loin du cadre tout ça. Mieux vaut pour tout le monde oublier cette tentative pour ne pas se démoraliser. Et ce ballon qui est perdu. Louane Joly. Attention, voilà un bon duel. Quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Oui, le bon geste défensif. Une possession offensive là pour essayer de déséquilibrer la défense adverse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. L'équipe locale a le contrôle du ballon, mais ça ne suffit pas parce que l'équipe n'arrive pas à être dangereuse dans le dernier tiers du terrain. On dirait qu'elle ne veut pas accélérer. Il y a beaucoup trop de prudence et d'hésitation. Sans vitesse, pas de paradis. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Encore fini. Wendy Renard, Sarah Debritz. Merde. Le ballon sort en 6 mètres. Regarde, de foutre de ma gueule. Louane Joly, Houchen. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ah, dribble manqué et le ballon finit hors des limites de la pelouse. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Et voilà, ça sort en touche. Contré sans difficulté. Ben ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Et donc début de cette première période. Attention à cette occasion. Quel arrêt splendide. Énorme réflexe. Eh oui, en plus à cette distance, c'est grandiose. Corner et une opportunité de passer devant au score.
quand on s'endort. Pourtant, on passe une bonne nuit. Hein. Là, il y a la seconde période à faire. Donc, on va la faire maintenant. Tout de suite. Sans s'endormir. Dijon, ils ont fait 2-1 contre le Havre. Annoncé, c'est parti pour la seconde période. Et voilà, on voit de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Ah, la défense est battue. Quelle opportunité gâchée. Ah, putain. Même mieux à faire là. Ah ouais, là. Et bien fait, attention à l'occasion. Oui, joli réflexe. Le public se fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. Ah, il est bien frappé ce corner. Et le corner ne donne rien, le ballon est renvoyé par la défense. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ouais, c'est un pressing efficace. Oh, attention à ce ballon. Et il ne faut pas avoir peur de se jeter dans les pieds comme ça. Exact, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement. Olé, le bon mouvement. Et ici l'occasion pour mener. Ah. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Attention, très bonne occasion à la parade, mais le danger est toujours présent. Et ça finit par rentrer, malgré la belle parade. Son sens du but, son flair ne pardonne pas. Allez, on va mettre Mazri. On va enlever le sommaire et on va mettre Mazri. On le revoit, ce but, c'est vraiment dommage parce que ça arrive juste après une très bonne parade. Mais finalement, le ballon est repris et ça n'aurait servi à rien du tout. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Ouais, bon geste défensif, le ballon change de camp. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah,
en bonne position. Ça joue à pas grand chose là, mais il y a hors-jeu. Oui, la passe est peut-être venue un peu trop vite. C'est un problème de coordination collective. Et le ballon est récupéré. Ah, le ballon intéressant. Et le ballon écarté de la zone dangereuse. Ouais, bien joué, c'est un bon mouvement. Allez, devant le but, il faut frapper. Oh non, c'est manqué. Quelle occasion de faire le break. C'est une occasion très franche. Ils vont peut-être le regretter. Mais non, mais non. Rachel Corboz. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Ah, ballon pour une frappe. Eh oui, le bon réflexe. Petite combinaison. Et une intervention facile pour la gardienne. Le ballon est récupéré. Henri a l'occasion de faire parler sa frappe. Ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Des idées, Rachel Corboz. Ah, le ballon est perdu, sans l'intervention. Ça sort en 6 mètres. Allez, changement donc. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Attention, voilà un bon duel. Mais quelle parade de la gardienne! Et un changement donc. C'est joué court. Et ça passe. Voilà l'égalisation. Et les deux équipes qui ne se lâchent plus. Mais quel match. Abusé. La réalisation qui nous remontre ce corner vraiment très bien tiré. Ça empêche la défense d'intervenir correctement. Et à la conclusion, un ballon a joué assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Plus trop de calculs dans ces dernières minutes. L'équipe qui marque aura une grande chance de s'imposer. Pas de faute, c'est bien défendu. Perte de balle dans une zone hyper dangereuse. Attention. Ah, le contrôle du ballon, c'est le plus important. Mais là, c'est complètement raté. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. C'est le staff. Doucouré. Et cette passe n'est pas bonne du tout. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Et c'est difficile à négocier et ce ballon sort. Louane Joly. La balle est interceptée.
sortie en touche. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Tout le monde le sait, s'il y a un but maintenant, le match est peut-être terminé. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Dumornay. Ouais, le déboulé dans la défense adverse, bien joué. C'est un ballon de contre à jouer. Touche à venir. Même pas ôté. Voilà, le ballon est récupéré. Le temps additionnel, 3 minutes minimum. Rachel Corboz. Egerberg. Et ça peut être dangereux. Ouais, la parade. Mais ça y est, on va en rester là. C'est donc terminé dans cette rencontre. Les deux équipes se quittent dos à dos. Match assez disputé et même plutôt agréable à suivre. Mais pour cette équipe, un nul, ça reste une déception. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Moi, c'était nickel. Enfin, je me suis un peu endormi pendant le match. Ne m'en voulez pas. Je suis extrêmement fatigué. Donc, je vous laisse sur ces images. Je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau match contre... je ne sais plus... J'ai pas fait attention, je suis désolé. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui vont manger, une très bonne journée. Sur ce, bye bye!